Yves Sarah Maurice. Bonjour, vous êtes à Madrid pour France 24. L'affaire hein, prend donc un tour euh, politique et judiciaire. Exact, depuis le début, le gouvernement espagnol a été très en colère avec euh, ce qui s'est passé à Sydney et ils ont annoncé tout de suite euh, pratiquement euh, qu'ils espèrent euh, euh, quelque chose de plus que le désolé faible qu'ils ont reçu euh, pour le moment de Luis Robiales et ils ont annoncé euh, qu'ils vont entamer des poursuites contre Robiales, euh, qu'ils vont euh, effectivement euh, aller euh, devant euh, le tribunal administratif euh, de sport et ils disent que ça va être assez vite la procédure. Selon eux, ils vont essayer de répondre, de faire leur part comme gouvernement assez vite, parce que ça ne peut pas rester comme ça. Et on a vu aussi une réponse du ministre de Travail, Yolanda Diaz, de, de gauche, qui a dit que c'était une honte et que ça ne pourrait pas rester comme ça. Oui, alors Luis Rubiales lui a catégoriquement exclu de démissionner en évoquant un baiser consenti. Écoutez. C'est si grave qu'il faudrait que je parte alors que j'ai réalisé le meilleur management dans l'histoire du football espagnol. Vous pensez que je dois démissionner Alors laissez-moi vous dire une chose. Je ne compte pas démissionner. Je ne vais pas démissionner. Un baiser consenti suffit à me dégager d'ici. Eh bien, je suis heureux d'être dans un pays comme l'Espagne où, malgré cette atrocité, je pourrai me défendre jusqu'au bout. Ceux qui me connaissent savent que je me battrai jusqu'à la fin. Samara Maurice, comment réagit-on en Espagne à ces déclarations Un chroniqueur de la radio espagnole a réagi à ce discours en disant que c'était un discours qui était plus comme si était un homme politique de Vox, le parti d'extrême droite. Que d'un représentant du foot espagnol. Ils étaient très surpris qu'il y avait très peu d'humilité dans le discours. Et que en fait, il a commencé à parler du faux féminisme, de critiquer les ministres espagnols et de dire qu'il y avait un gros problème en Espagne avec euh, le, le faux féminisme, que lui, il allait lutter euh, contre ça et qu'il allait faire ça euh, si nécessaire euh, devant les tribunaux. Euh, il y a euh, vraiment, euh, a eu beaucoup beaucoup de réactions. On a eu même. Euh, Borja Iglesias, qui est un joueur espagnol de l'équipe masculine, qui a dit que lui, il va pas jouer pour la sélection espagnole si le thème, l'affaire de Luis les reste comme ça, si le président ne s'en va pas. Et on a dit Iques Casillas, le ex joueur aussi euh, de, de l'Espagne qui a dit que c'était une honte. Alors, euh, beaucoup, beaucoup d'indignation en Espagne euh, et surtout entre les femmes euh, espagnoles qui disent que ça devrait être un moment pour célébrer euh, le foot féminin et qu'un euh, homme euh, qui, dit, qui, qui est un chef, euh, qu'il a. Euh, détruit un moment qui devrait être très important pour les femmes espagnoles. Merci Sarah Maurice, en direct de Madrid pour France 24.